go freely to all the worlds of my garden. But if the tower tempts you, be wise. Do not let yourself be misled by doubt. For it shall bring death and the end of your generations. So be it. Let your will be done. Et salut tout le monde, c'est YannCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du playthrough sur l'énigme du Sphinx. Enfin bref, pas vraiment l'énigme du Sphinx, mais disons que dans l'épisode précédent du playthrough sur ce Talos principal, j'ai réussi ce que je n'ai pas réussi à faire. C'est-à-dire timé. Voilà, je n'ai pas réussi à comprendre qu'il fallait que tout était que timing. Je me suis trop creusé la tête pendant deux épisodes sur ça. Bref, il est temps de récupérer la hache déjà. Parce que ouais, je vous rappelle, on a une hache, hein. On a une hache. Enfin, on a une hache. J'ai une hache. Et le déplacement est tellement rapide que je n'arrive même pas à maintenir la vue et viser avec le joystick. C'est un challenge à faire ça, viser avec le joystick. Bref. Déjà, cherchons notre hache. Parce que... hein? Attends, c'est pas par là. Ah, c'est par là. C'est par là. C'est dans le monde SC. Il faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur A au lieu de X pour sauter. Parce que je me suis dit que si tu fais du bungee jump, peut-être que c'est plus rapide. Bref. Cherchons notre hache. Parce qu'on ne peut pas commencer un épisode sans une hache quand même. Ce serait complètement... complètement débile. Il nous faut la hache. La hache de l'épisode précédent. Il nous faut la hache qui se trouve être à droite. Si elle n'a pas été déplacée, super. Eh ben je prends la hache, je l'embarque, je le ramène dans le monde de l'Egypte. Même s'il n'a pas sa place là-bas, mais bon. Une hache, on a toujours besoin d'une. Parce que maintenant j'ai une hache. J'ai une hache. J'ai une hache. La sainte hache. Elohim n'est que mensonge. Il ne faut pas... il ne faut pas prier Elohim. Il faut prier la hache. Loué soit la hache. Donc c'est parti. On emmène la hache avec nous. Voilà. Nous redescendons en Égypte et on va continuer bien entendu la suite des énigmes avec du coup le prochain niveau, le niveau 6 de ce monde de B si j'ai bonne mémoire. Normalement oui, j'ai bonne mémoire. Allez, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, j'ai une hache. Bien. Monde 6. Non, monde B. Niveau 6. Si le chargement n'est pas très lent parce que... oh mon dieu, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression que le chargement est... ah! Lorsque tu surmontes l'une de mes épreuves, ne sens-tu pas le plaisir d'avoir découvert le bon ordre des choses? Non. C'est l'étincelle d'Elohim en toi qui crée l'ordre à partir du chaos. Et c'est j'ai... là que se révèle le vrai sens de nos sujets. Il va me laisser parler, oui. J'ai plus l'impression de semer le chaos que de semer l'ordre. Alors déjà, il y a ce bip bip qui me fait chier. Osiris, blablabla. Parfait. Répertoire paraît blablabla. C'est extrêmement inquiétant. Si la connexion ne fonctionne pas, l'ensemble du projet tombe à l'eau. L'équipe cherchée de matériel doit tout revérifier au plus vite. Les gars, arrêtez de paniquer. Relisez vos programmes, en particulier la ligne 217.
TotataTransfer.c. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux caractères juste avant le code? Ces deux caractères, ça s'appelle un commentaire. Exactement. La routine chargée de lancer le transfert n'a pas été exécutée. Je suppose que vous testiez quelque chose hier et que vous avez oublié de nettoyer le code. Le matériel n'est pas cassé, c'est vos cerveaux qui le sont. Bah ouais, enfin là c'est plutôt ta manière de coder, enfin ta culture du code qui... Enfin presque, oui, parce que dans le code, en règle générale, quand tu mets deux slash à une ligne, tu mets en commentaire. C'est-à-dire que c'est une ligne que quand tu compiles le programme pour en faire un programme, eh ben il ne sera jamais exécuté parce que c'est un commentaire, ça sert à écrire tout et n'importe quoi pour que quand t'as quelqu'un qui va recoder par-dessus puisse comprendre les lignes de code. Donc, je cherche des mots pour les décrire mais n'y parviens pas. C'est le sentiment écrasant que quelque chose à la limite de ma compréhension est très très faux. Je sens que je ne suis pas fait pour ce monde, mais je suis incapable de conceptualiser des possibilités alternatives. Je suis un programme informatique, vous êtes un programme informatique, Elohim est un programme informatique. Assumez-le! J'assume rien du tout, moi. Déjà, je suis pas un programme informatique, je suis un androïde! Regardez le premier épisode si vous me croyez pas! C'est écrit dans le premier épisode que je suis un androïde. Bref, n'y a-t-il pas d'autres QR codes? Par-ci, par-là... Non. Pas de QR code. Bon. Et c'est direct les niveaux. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est le plus pathétique? Cette reproduction concière d'un monde... Bref. Qu'est-ce qui est le plus pathétique? Cette reproduction grossière d'un monde? Cette ère de jeu pour imbéciles? Ou que je continue d'y résoudre les énigmes proposées à défaut d'autres défis? Il n'y a que cela, regarde ce que nous faisons. Il y a plus que cela, il y a plus que cela, regarde ce que nous faisons. Nous résolvons des énigmes, nous sommes testés, nous améliorons. Certains d'entre nous tombent vite et sont remplacés, mais vous et moi sommes encore là, nous sommes proches de la fin. T'es proche du pigeonnage, mon gars. C'est parce que je le sens mal. Surtout avec un certain Elohim. Bref, il y a des pièces jaunes et des pièces rouges. Je propose qu'on commence par les pièces jaunes, et notamment le L de Tetris. Réseau d'énigmes. Un réseau d'énigmes, ça veut dire qu'il y a un énigme, puis un autre énigme, c'est ça? Parce que si c'est le cas, moi je pète un câble. Donc, premier réseau. Voilà. Ah mais vous foutez de ma gueule, ça peut pas être quelque chose d'aussi simple quand même. Ça peut pas être quelque chose... Ah! Je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc... Voilà qui est fort intéressant. Donc... Vous vous souvenez qu'il ne faut jamais croiser les flux? Eh bien, figurez-vous que là, on a un potentiel croisement des flux. Donc, du coup... On va déjà récupérer tout ce qui est nécessaire. Et normalement, on ne peut pas... Oui, parce que, bizarrement, les faisceaux laser ne peuvent pas... traverser les grilles, alors que putain c'est un gris quoi, c'est des barreaux, tu peux passer ta main entre, bref, donc réfléchissons à ce point là, ok, à ce point là, donc réfléchissons, on n'a plus besoin de ces, enfin, pas vraiment plus besoin, mais... Disons que maintenant on peut utiliser ces deux-là. Mais il faut garder cette porte ouverte. Alors pour garder cette porte ouverte, ce que je propose, c'est qu'on va
Essayez comme ceci. Alors là, presque il doit y avoir un problème. Je n'ai pas d'angle pour permettre ceci en fait. Mais attends une seconde. Je n'ai pas d'angle, mais j'ai d'autres faisceaux laser qui me permettent de faire le contour. Donc du coup, ceci, je le pose là. Tandis que ceci, je le pose ici de manière à ce que ça se connecte. Eh, hey, je peux peut-être contourner. Ouais, mais si je contourne par 3 au lieu de 4, est-ce que j'y arriverai? Non, parce que malgré tout, il y a le mur de merde qui est juste ici! Ah! Salipirite! Mais attends. Peut-être que c'est pas le rouge qu'il faut. C'est le bleu! C'est le bleu qu'il faut contourner. Regardez. Regardez bien. Le bleu, on peut le faire passer comme ça. Ou pas. Ah oui, ça va me faire chier, quoi. Bon. Très bien. Et donc, normalement... Ouais. Je vois, en fait, la difficulté. Le mieux, c'est de passer comme ceci. C'est commencer par la fin. En fait, on commence par la fin. On essaie de relier, en fait... Ouais, mais on pourra pas. Dans les tous les cas, on ne pourrait pas. Voilà qui est très problématique. Comment ne pas croiser les flux? Comment faire? Comment? Réfléchissons. Je ne peux pas passer, faire le tour comme ça à cause de ce maudit mur qui me cache la vue. Donc je peux pas le rouge. Je ne peux pas le bleu non plus. Parce que l'autre mur. J'ai 4 relais. Et il faut pas que je mélange les flux. Parce que si je mélange les flux, ça va pas aller. Donc, conclusion, cette énigme est du vrai merde. Cette énigme est du vrai merde. Parce que, au final, on ne peut pas résoudre l'énigme. Sauf si. Essayons. On peut le faire jusque là. Faut essayer les grands angles aussi. C'est parfois utile les grands angles. Regardez, un angle droit. Voilà, histoire de... Non, je pense pas que ça... Là, on a le connecteur, mais on n'a pas le récepteur. Là, on a le récepteur. Trouver un juste milieu entre le connecteur et le récepteur. En fait, ce qu'il faudrait, c'est... Tu vois, cette partie-là doit être connectée comme ceci. Attends, une minute. Là, il se connecte. Là, il se connecte. Et en fait, ici, il faut qu'il prenne ça et ça à la fois. Non, je t'ai pas dit de le poser. Connecte-toi! Mais non! Connecte-toi là! Et connecte-toi là! Bordel! Donc là, oui. Mais là, non.
ça va me casser les burnes. Bon, réfléchissons. Tout simplement, voilà. Parce que moi, je cherchais à faire le tour comme ça, alors qu'en fait, non, fallait passer par là. Bon, très bien, écoute. Ça nous donne la pièce jaune, et quand je me gratte le nez, il faut que j'évite de toucher. En fait, il faut que j'arrête de toucher, de me gratter quoi que ce soit pour éviter de toucher le micro. Bref, donc voilà, voilà, cette énigme, hein, qui devrait être résolue d'une manière, mais pas d'une autre. Très bien, bah cherchons une autre pièce jaune. Cherchons une autre pièce jaune, juste porte et fenêtre. Juste des portes et des fenêtres, vraiment. Il y a des portes, il y a des réceptacles. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un laser rouge. Et je n'ai qu'un seul. Qu'un seul reflecteur. C'est la baisse la plus totale. Parce que, regarde, voilà, tu vois, c'est un barreau. C'est un barreau. Mais il s'en fout. Bref. On va déjà ouvrir ça. Pour essayer de voir ce que ça nous débloque. Ça nous débloque ça. Très bien, ça qui nous... Oh, shit. À ce point-là. Ah ouais. Ah non, mais là, ça plaisante plus du tout. Comment je pourrais faire ? Parce que il y a ça aussi qui me permettrait de... Non, attends. Est-ce que je peux connecter deux connecteurs comme ça ? Oui, mais ça ne marchera jamais. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment essayer de partir du récepteur là-bas. Le récepteur là-bas, d'accord. Pour ouvrir soit ça, soit de l'autre côté. Je te... Potentiel doute qu'on puisse arriver à connecter de ce côté-là. Mais... Tu sais quoi ? Tout est possible. Tant que tu croises pas les flux. Tout simplement. Voilà. Tout est possible. Ça nous donne donc ceci. Ceci, mais maintenant il nous faut ça. Et il y a ça. Ah ah. Il nous faut quand même le quatrième. Ouais, il faut quand même le quatrième. Mais comment faire ? Alors déjà, on va retourner là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire, en fait, le coup du... Il se connecte, en fait, uniquement ici. Pour ensuite... prendre ceci. M'éloigner un petit peu de manière à ce que ça soit toujours connectable. C'est-à-dire ici. Et enfin, tout simplement, et je récupère le récepteur manquant, je ramène tout ce cambouis, voilà, et je vais encore plus réfléchir. Alors déjà, il faudrait peut-être que j'ouvre ce connecteur-ci, donc pour ça, encore une fois, on va faire ça, on va l'ouvrir. Et du coup, ça fait que... Ah! Ça fait que je n'ai que deux récepteurs pour faire la suite, n'est-ce pas? Récepteurs qui devraient être peut-être plus visibles. Alors, pour cela, déjà, on va replacer ça de manière à ce que lui, il puisse s'interconnecter comme ceci. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est de passer par
Ah mais ouais. Ah mais ouais. Ah mais non, mais ouais. Mais tu veux faire comment là? Tu peux pas. Tu ne peux pas. Là t'es obligé de te passer par là. Donc ici t'es obligé de reculer un max en fait. Est-ce que tu peux le prendre? Non, tu peux pas le prendre d'ici. En fait, ce que je devrais dû faire, c'est que ça, il ira pas de ce côté-là, en fait. Parce que j'imagine que... Ah ouais, mais on pourra pas. Parce que si je veux... J'aurais bien aimé le placer là, en fait. Mais je peux pas parce que t'as la grille, alors que normalement, tu peux passer ta main dedans, qui t'empêche de te faire passer le laser. C'est relou. Donc, réfléchissons. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de passer par là. Mais tu ne peux pas. Mais si tu peux. Regarde ça. Avec de la distance, tout simplement. De la longue distance. Regarde. Voilà! Tout simplement! Tout simplement! Et donc, pour finir cet épisode en beauté, que diriez-vous que je termine la dernière pièce de ce niveau? Avec les Bomberman. Ah! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les boules qui explosent. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Pas mal de trucs. Déjà, il nous faut une clé. Clé qui se trouve être où? Déjà, on a un brouilleur aussi. Brouilleur? Boule? Boule, brouilleur. Un boule qui se détecte à... très loin, d'ailleurs. Donc déjà, on va ouvrir ça pour voir si les boules peuvent exploser entre eux. Ça m'étonnerait fort bien, mais on ne sait jamais. Bah non, les boules n'explosent pas entre eux. Parce que là, il y a deux boules. Là, il y a deux boules. Donc, ils peuvent pas exploser entre eux. Aïe, en plus, il fait demi-tour, ce con. Il fait demi-tour, le con. Alors là, t'abuses, hein. T'abuses, Elohim. Franchement, t'es soi-disant gardien, la con. Parce que, ouais, il y a là. Putain, il y a un autre brouilleur aussi. Oh, comment je vais faire ça? Attends, lui, il peut traverser. Ouais, ça va être timé. Ouais. Autre brouilleur. Je brouille ça. Le problème, c'est que si je veux brouiller ça... Et comment je le fais maintenant pour récupérer mon brouilleur? Là, je suis embrouillé, n'est-ce pas? Ah! Non. Non. Tu n'exploseras pas. Tu n'exploseras pas. Tout simplement. Parfait. Parfait. Je l'ai oublié celui-là. Oui. Ah. Il va m'exploser à la gueule, n'est-ce pas? Il va m'exploser à la gueule. Très bien. Et très bien. Voilà qui est très problématique. Je ne peux pas brouiller à distance, n'est-ce pas? Non. Mais je peux te brouiller ça. Pour ensuite prendre celui-ci. Qui brouillera ça. Rebranche le brouilleur. Qui brouillera du coup cette bouboule. Et dès que la première boule, elle est passée de l'autre côté. Mais elle pourra pas parce que,
Bien évidemment. Bon, je peux brouiller à distance aussi. Bien évidemment, hein. Elle est bloquée par ce brouilleur-ci. Parfait. Donc on attend que il passe vraiment jusqu'au bout. Ah oui, non, en fait, il fait vraiment demi-tour tout le long. Bon, écoute, on va prendre le brouilleur, hein. Et réfléchissons. J'ai peut-être une idée. Mais cette idée, pas sûr qu'elle me permettra. Même pas. Bon. Essayons une autre idée. Les clés sont là. J'ai deux brouilleurs. Oh, calme ta joie. Ah mais oh. Ah oui, parce que en plus par la suite c'est pas fini. Il y a des tourelles. Oh putain. Ah oui, non mais là ça va être vraiment le... Voilà, on s'enferme à l'intérieur avec les brouilleurs. Brouilleur qui, justement... Ah non, ça marchera pas. Je vais mourir, n'est-ce pas? Même pas. Même pas que je meurs. Même pas en F, Billy. Ah ah! Et je suis maintenant coincé! Si j'ouvre ne serait-ce un seul de ces... brouilleurs... Voilà, j'explose! J'explose! Bon! Eh bien, voilà quelque chose d'assez... perturbant. Et quand il y a une chose qui est assez perturbante, c'est con, je pensais finir au moins ce niveau dans cet épisode, ce serait marrant. Ce serait cool. Mais non, la vie a voulu de ne pas être cool avec le monde. Voilà, donc du coup, voilà ce que je dis. Fuck le monde. Voilà. Comme ceci. Je brouille lui. Lui il s'en va. Moi, je le... En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que ce brouilleur, tac. Ouais, mais par la suite... Ouais, c'est ça, faut que je fasse sortir la bouboule, que je la brouille, en fait, à l'extérieur. Pour ensuite... Ouais, mais je suis dans la merde. Parce que j'ai besoin de ce brouilleur-là. Voilà. Oh non. Non. Voilà. Ouh. Et donc du coup, pour faire la clé, bah voilà. On y arrive. J'ai la clé. Parfait. C'est le cas qui brouille la porte. C'est celle-là, hein. Voilà. Et en fait... Tac. Où il va encore entrer à l'intérieur. J'ai la clé, mais j'imagine. Il m'en faut les deux, n'est-ce pas? Ah ouais! Ah ouais! Qu'est-ce que ça dit? Ce monde n'est qu'un désert, même les parties qui ont l'air vivantes ne sont que de sable. Tout est mort au mourant, quiconque vous dit autre chose ment. Et ben vous savez quoi? Technique de la gruche. Technique de la gruche, tu peux l'oublier totalement. Et je recommence depuis le début comme un teubé. Voilà à quoi ça sert d'essayer des choses qui sont totalement indomptables. Voilà. Je prends ceci, je prends ce brouilleur. Je t'embrouille.
Je prends ceci, je t'embrouille. Tac. Tac. Parfait. Rappelons-nous. Il faut d'abord faire sortir la boule. Ensuite, je t'embrouille. Le problème, c'est que maintenant que je t'embrouille, bah je suis embrouillé. C'est le cas de le dire. Du coup, tac. Mais pourquoi ça a explosé? Pourquoi ça a explosé? J'étais loin de lui. Bon. Alors, recommençons. On va les laisser se croiser entre eux. Voilà, comme ceci. Je prends ça et j'embrouille l'autre. Je le prends, j'embrouille. Problème, c'est que maintenant, lui... Ah non, 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 tu ne m'as point vu. C'est pas possible de me voir. Je suis invisible. Enfin, non, je ne le suis pas, mais... T'as saisi l'idée, non? Donc... Problème, c'est pour brouiller ça, tout en brouillant la porte. Quoi? Mais genre, il me suis teutré comme ça! Mais comment j'avais fait, du coup? Comment j'avais fait? Non, 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 il y a un truc. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, et ça me pète les couilles. Bon. Déjà, prends ce brouilleur. Jusque-là, tout se passe bien. J'embrouille lui pour récupérer ce brouilleur-là. Parfait! Parfait! Mais lui, par contre, pour une raison qui m'est obscure... Ah, putain! Et ça manque de sécurité. Ça, il manque déjà un brouilleur, hein? Déjà, pour commencer. Avant de dire que ça manque de sécurité, ça manque de brouilleur. Donc, peut-être qu'il faut vachement l'éloigner. Voilà. Vachement l'éloigner pour éviter que quand... Quand il fasse son tutut, il nous prend de revers. Voilà, comme ceci. Oh putain! Oh putain, ça va être chaud! Ça va être chaud. Parce que, en fait. Ah! Bah voilà. Voilà, 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 voilà. J'en étais sûr. Bah, vous savez quoi? Vous savez quoi? On va tenter une dernière, et si ça ne marche pas, j'arrête l'épisode là! Une dernière fois! Non mais là, tu... Casse bonbon, là. Tu casses les burnes! Je t'assure, Billy! Non! Tu ne m'as point vu! Cela est impossible! Moins que le jeu soit programmé à la pisse, mais... Eh hey. Hey. Eh hey. Eh hey. Bah voilà. Ah ouais, mais il va être au centre et il va... faire demi-tour, n'est-ce pas? Bingo. Bon, bah écoute... Voilà. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Ou peut-être pas. Tac et tac. Voilà. Ensuite, tac. Et tac. Et enfin. Pour terminer. Tac, on va laisser rentrer pour la prendre. Ah oui, mais... Ah oui, mais... Oui, mais voilà. Bon, on va la foutre au fond. Ce qui serait pas une bonne idée. En soi. Sauf si... Je le fais comme ça. Je le prends. Je le pose. Je prends. Ah! J'ai oublié ce léger détail. Bon, écoute. Non! Voilà. Non! Non!
Mais c'est pas comme ça que je voulais faire. Merde. Voilà, bon, écoutez, savez quoi, j'arrête cet épisode-là. On va tenter le suicide des boules dans le prochain épisode. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que ça va me péter un câble. Et j'aime pas péter un câble. Surtout pour un jeu d'énigmes dont j'ai la solution. Mais pour faire la solution, ça va tenter des milliers de fois. C'est du die and retry. C'est l'énigme du die and retry. Voilà. Tout simplement, ce sera même le titre de l'épisode. Et si l'énigme du die and retry, ça vous a plu de me voir mourir des milliers de fois par ces saltanées boules explosives, eh ben, mettez un like, hein. Ça fait plaisir. Commentez la vidéo, partagez avec vos potos. Abonnez-vous. Voilà. Et donc, du coup, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Bande de PGM.